Salut les amis. Bon ben, j'ai un petit souci avec mon PC. Du coup, je peux pas vous faire le montage de l'atelier d'artiste pour l'instant. Il est en réparation. Donc là, du coup, je suis sur le projet de faire des aménagements. On peut voir là, pour un magasin complément alimentaire bio. Donc pour ceux qui suivent sur Facebook, vous êtes au courant. Et donc pour ce faire, je suis allé m'acheter. Hop, une petite ponceuse orbitale de chez Bosch. Je l'utilise déjà au boulot, celle-là en charpente. Elle va vraiment bien, c'est une petite cartouche avec filtre à papier. L'avantage, c'est qu'il y a le plateau 125, le plateau 150. Et là, dans ce pack-là, ils ont mis un deuxième plateau de 150. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a la poignée à avant. Hop, pardon. Qui est amovible. Donc ça va vraiment bien aussi. Ils ont mis des petits disques vite fait comme ça, histoire de. Ouais, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre. La clé Allen qui va bien pour serrer les serrer. Donc 310 balles. C'est plus que correct. Et je me suis acheté. Du coup, du papier en 80, tac, voilà, de chez Sidamo, et du papier de 120. Donc normalement, ça devrait bien aller, parce qu'il faut que je ponce toutes mes petites caisses là, avant de mettre les champlats et tout ça. Donc j'ai pas mal de boulot. On est samedi, il doit être 10h30, un truc comme ça. Il faut que le chantier soit fini pour dimanche. Voilà, c'est un peu sport quoi. Donc ouais, là du coup je les touche à 10 balles ça. 10 balles, 10 balles, et en tout il y en a pour 335. Donc ça fait, ouais c'est ça, 310 balles, 315 la ponceuse. Donc voilà, avec la boîte et tout, donc je suis content. Il y avait la fistoule à côté qui était à 440, 440 ouais c'est ça. Et la Makita qui était à 310 prix public. Donc je dois toucher à 280, un truc comme ça. Mais bon, du coup, je préfère quand même prendre du Bosch plutôt que la Makita ponceuse. Makita, j'en ai déjà une qui m'a cramé dans les mains. Donc on va éviter que ça recommence. Bon, bah, du coup, je me mets au boulot. Au plaisir de vous présenter la suite des épisodes. Ciao, ciao.